On aime bien voir ces moulinets bien rangés, c'est son fil prêt, en bon état, le fil qui correspond à la pêche qu'on va pratiquer, aux conditions. Puisque là, aujourd'hui, en ce moment, on est en plein hiver, il fait très froid, donc on ne peut pas utiliser les tresses, parce que ça gèle dans les anneaux, ça fait des paquets de glace, donc on pêche en monofilament. La célèbre monture d'Albert Dracovitch. C'est une monture avec un plomb articulé, une monture pour monter un poisson mort qui est articulé avec une chevrotine en avant et deux petites potences avec deux hameçons triples. Selon toi, est-ce que la technologie, est-ce qu'elle a apporté à la pêche en termes d'efficacité? Oui, quand même, un petit peu, ne serait-ce que dans la technicité des actions des cannes, la qualité des moulinets, les fils qui se sont améliorés, hein, pour des diamètres inférieurs, on a des résistances supérieures. Là, j'ai choisi un petit vif, ouais. Une petite tablette, entre 8 et 10 cm, c'est la bonne taille, là. Je la tue d'une petite pichenette sur la tête. Ensuite, je vais la monter sur la monture. Donc on rentre l'épingle par la bouche jusqu'au fond. Ensuite, on fixe avec un petit fil de laiton ou d'un fil de fer assez rigide. Tout un savoir-faire. Oui, c'est une petite habitude. Ouais. Voilà, donc une empile longue, une empile courte, pour avoir toutes les chances de prendre le poisson, quel que soit l'endroit où il attaque le vif. Donc s'il attaque vers la tête, il se prend sur l'hameçon court, et s'il attaque vers la queue, il se prend sur l'hameçon arrière. Voilà. Ensuite, on va monter un leurre souple sur une deuxième canne, un petit peu moins rigide que la canne à manier. Un peu plus souple d'action. Et avec un diamètre de fil inférieur également. Avec des montages divers, on peut pêcher en vertical, on peut pêcher en mode manier, mode tirette, enfin tout un tas de possibilités. Là, c'est un petit montage personnel pour un leurre souple de nouvelle génération, dirons-nous, avec plein de petits effets lumineux, effets bruiteurs également. Il y a des petites billes bruiteuses à l'intérieur. Et comme il a un effet de nage très... Qui, elle s'anime au moindre petit mouvement, donc c'est efficace à basse vitesse. Voilà. Oui, la connaissance du lac, ça c'est quelque chose de primordial. Si on ne connaît pas, il vaut mieux se munir d'un sonar, d'un éco-sondeur, pour découvrir un petit peu les failles, un petit peu les postes, parce qu'on sait à peu près où se tiennent les cendres, hein, par rapport au terrain. On arrive à savoir un petit peu, mais là, bon, je connais bien le lac, donc j'ai pas besoin de... Comme je le suis toute la saison, je sais l'évolution et le déplacement des poissons selon la saison. Là, actuellement, ils se tiennent sur des bouts de plage un petit peu profonds. Ils sont un peu au repos, posés. Un peu en attente, comme ça, un peu au ralenti, on dira. J'ai pris des cendres avec l'eau jusqu'à 2 degrés.
Et ensuite, bon, l'été c'est un peu moins bon, il faut pêcher plus profond, mais toute l'année on peut prendre des cendres, il n'y a pas d'impossibilité en général. On va commencer une animation au mornanier. On le fait sautiller comme ça sur le fond. Donc on dirait un petit poisson blessé qui est en train de mourir et ça provoque l'agressivité des carnassiers. Le principe c'est de lancer vers la berge, de laisser descendre complètement au fond tout en gardant le contact parce qu'il peut y avoir une touche pendant la descente du. Donc on la voit en visuel sur le fil fluorescent. Donc on attend d'atteindre le fond. Quand le fond est atteint, bon, le fil fait un ventre, il n'avance plus. Donc on reprend contact et on donne deux petits à-coups ou trois. Enfin ça c'est l'animation, ce vent. Et à la descente, en venant vers la barque, l'appât descend évidemment puisque la pente du fond est vers nous. Donc on garde toujours le contact tendu à la descente. Et c'est dans 95% des cas, c'est à ce moment-là que se produit la touche. Alors, la touche se manifeste par un toc dans le fil, ou alors au moment du soulever, un petit poids différent du poids du leurre qu'on est en train de tirer. Donc il faut ferrer, à chaque doute, il faut ferrer. On lance la ligne quand on est à l'aplomb du. Voilà, on peut insister un petit peu en dandine verticale juste sous la barque et ensuite on relance. On insiste un petit moment sur un poste et ensuite on se déplace si on ne les trouve pas. Si jamais on a une touche, il faut un petit peu insister parce que c'est des poissons qui vivent souvent en bande, donc on peut en attraper 2 ou 3 ou 4, ça dépend. Toute cette berge là sur une centaine de mètres où il est susceptible d'y avoir quelques cendres. Le mormanier ça reste quand même une valeur sûre où on en prend malgré tout le temps, peut-être moins que dans les années 60-70 quand cette pêche a été créée, mais en même temps aussi c'était le début du cendre en France, donc il y avait une explosion démographique qui faisait qu'il y en avait énormément. Le mormanier reste une valeur sûre, mais on voit que certains leurres qui marchent très fort à leur sortie ensuite deviennent tout à fait quelconques, voire inefficaces. Donc il est possible que le cendre s'adapte un petit peu à certains pièges et les évite ensuite. Un semblant de touche. Ok.
très rapide. Hein. Ouais, il faut ferrer très, très vite. Au moindre doute, il faut ferrer très fort. Surtout qu'il y a beaucoup de fond là. Donc l'élasticité du fil et la distance fait qu'il faut ferrer très fort pour essayer de planter les hameçons. Si on ferre un peu trop faible, les hameçons ne se plantent pas et le poisson se décroche. On va voir si c'était une touche ou une feuille ou un petit bout de bois. Non, il n'y a aucune trace. Donc c'était un petit accroc sur le front. C'est pas la peine de jeter forcément très très loin. Quoi. Non, non, non. 20-25 mètres maxi. Est-ce qu'on pourrait attraper un autre poisson que le sambre? Oui, on attrape des silures. Des silures, puisqu'on en a maintenant depuis une dizaine d'années sur ce lac. On attrape également des brochets de cette façon, mais bon, comme je fais des empiles en, en tresse et que je pêche avec du fil monofilament, je me fais souvent couper par les dents des brochets. Mais bon, tant pis. Et on prend des très belles perches aussi de cette façon, au mormanier. L'hameçon a sauté, c'était peut-être une touche. Ouais. Et une petite partie de la peau qui s'est enlevée. Il y a eu une attaque juste derrière l'hameçon. Un petit sambre certainement. Il a fait un bon tic. Il n'était pas gros. J'ai eu une bonne petite attaque. Ouais, il y a un trou là, dans le poisson. Un bon toc, mais il est parti. Ah, mais c'est bon signe. Allez, on va les essayer au leurre. Alors là, c'est plus une pêche de tirette. La nage est, est superbe. On voit la, la petite queue qui donne une ondulation. L'animation peut être très lente, il y a quand même un mouvement. Dans les leurres souples. L'animation est plus lente et plus près du fond. Plus une animation de pêche à la tirette que de pêche au manier, qui est plus saccadée. On donne des petites tirées latérales, comme ça on le fait nager et on relâche. Toujours en restant tendu. Et ça se passe toujours au ras du fond également. Le sandre est un poisson lucifuge et il se met en activité quand la pénombre arrive. Il faut que le soleil se, se cache un petit peu derrière les collines. Et à ce moment-là, il rentre un petit peu plus en activité. Il n'aime pas la lumière. Donc le matin très tôt et le soir en fin de journée, c'est, ce sont les deux meilleurs moments. Coup sur le poisson où il est piqué au bord. Un petit sambre. On va relâcher celui-là, il n'est pas assez gros. Tic. Et voilà. Coup de dent. Bon coup de dent dans le poisson mort. Le soleil est caché, bah c'est, ça commence à être la bonne heure. Hein. Quand la pénombre gagne, quand le soir arrive, jusqu'à la tombée de la nuit, c'est le meilleur moment.